Les jambes, elles sont un petit peu plus espacées que les hanches, mais ça reste un appui du talon dans le sol. Un appui. Bienvenue au cours de danse et attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Au cours de chant choral. Une vingtaine d'élèves du collège du Himmelsberg à Sarreguemines ont rendez-vous au conservatoire. Ils font partie d'une classe à horaires aménagés. Des cours qui sont autorisés par l'éducation nationale malgré le contexte sanitaire. Ce sont des jeunes qui travaillent dans le cadre du collège. Ils viennent une fois sur deux ici, une fois sur deux nous allons au collège. Et donc nous avons le droit de les accueillir. Et il y a également le mercredi matin le collège de Dimmeringen qui nous envoie une petite vingtaine d'élèves en instrument. Pour les professeurs, ça leur permet de pouvoir enfin travailler face à des élèves, car la majorité des autres cours sont suivis à distance. Des collégiens, de la 6e à la 3e, participent à ces séances d'art de la scène tous les mardis après-midi. On est des artistes, on est des enseignants, on a besoin de partager ce que l'on a appris quand nous-mêmes on était jeunes. Et ne pas avoir nos élèves en face de nous, franchement, c'est compliqué. Alors là, quel bonheur! C'est vraiment un bonheur. Et aussi pour eux, on se rend compte qu'ils sont vraiment tout le temps là. Il n'y a pas d'absentéisme et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Ça fait chaud au cœur de pouvoir continuer, ça c'est sûr. Cette fois, il fallait accorder ses gestes et sa voix. Si le chant choral est proposé depuis plusieurs années au collège du Himmelsberg, la danse a été ajoutée cette année. Les deux professeurs effectuent depuis régulièrement leurs séances en binôme. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Camille a toujours été passionnée par le chant. Elle s'est inscrite en classe à horaire aménagé en 4e. La coordination est très compliquée. Les travaux, chacun à part, sont déjà compliqués eux-mêmes, alors la coordination est encore plus dure. Si la situation sanitaire le permet, un spectacle sera proposé à la fin de l'année scolaire.